Excusez-moi, je peux prendre votre raccourci ? Ah non, il faut s'adresser à moi pour prendre le raccourci. Non, c'est à moi qu'il doit s'adresser. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous deux ? Je peux vous parler à tous ? Vous pourriez, mais ça ne servirait à rien. Si vous trouvez où je suis, je vous laisserai entrer. Je dois vous trouver ? C'est ça. De dragon. Passez, ami de Poupsouffle. C'est le devoir d'histoire de la magie pour le professeur Binns ? Ouais, on doit citer 5 gargouilles qui parlent. J'ai regardé dans l'histoire de Poudlard, mais ça ne dit pas où elles sont. Je ne me souviens pas que Binns ait parlé de gargouilles. Il est si barbant. Tu me prêtes tes notes, Hermione ? Non ! Merci. Vous me le direz quand vous les aurez trouvées ? Ce serait sympa. Pas de problème. Il va falloir qu'on soit très attentif. Il y a des tas de gargouilles à Poudlard, mais très peu savent parler. Je crois qu'il y a une gargouille qui parle près d'ici. Vous êtes une gargouille parlante ? Vous avez l'habitude de parler aux muets, vous ? Non, et aux gargouilles non plus. Je suis sûre qu'elles vous en sont très reconnaissantes. Merci pour la conversation. Allons-y. Elle semblait malheureuse. Ça fait une gargouille. On va regarder Pif jeter des choses sur les gens ? Ouais ! Wingardium Leviosa ! J'ai vu Potter en cours de potion. Il a encore eu un 0. À quoi ça sert? Vous pouvez me le dire? Il me manque 3 cartes, c'est tout. Tu ne les aurais pas? Toujours à parler de toi. Tu commences à enseigner à Harry Potter. Salut, ça va ? Salut. Tout le monde l'a vu. Salut Harry. Salut Padma. Parvati. Vous pourrez venir à une réunion de l'AD tout à l'heure ? Eh bien, c'est qu'on doit aller voir le professeur Trelawney. Elle va interpréter un de mes rêves. Ah, et après, vous pourrez venir ? Je sais pas. Rejoins-nous en divination et on te le dira. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien. Padma est bizarre avec moi depuis le bal de Noël. Elle est toujours fâchée que tu ne l'aies pas invitée à danser. Elle n'a rien dit du tout. Oh Ron ! Chez les filles, ce sont les silences qui comptent. Tu devrais écrire un livre. Explication des comportements idiots des filles à l'usage des garçons. Dégage, Potter ! Dégage, furoncle !
Ce sera bientôt les vacances. Action ! Qu'est-ce que tu crois qu'on va voir en soin aux créatures magiques ? Dans la classe de mon frère, ils ont étudié les beaux trucs. Ils ont mangé des millions de cloportes en un seul coup. Combien de passages secrets tu crois qu'il y a à Poudlard ? Moi, je dirais des milliers. Potter, Weasley, Miss Granger, j'ai une tâche à vous confier. En tant que nouveau préfet de Gryffondor. Oui, professeur ? J'attends un groupe de première année à qui l'on a donné une retenue. Mais on m'a dit qu'ils se cachaient dans la tour de divination. Allez les chercher et veuillez leur dire de se présenter devant moi, immédiatement. Bien sûr, professeur McGonagall. Qu'est-ce qui leur prend, hein, ces demi-portions ? Jamais je n'aurais osé désobéir à McGonagall en première année. Non, bien sûr que non, Ronald. En première année, tu as juste affronté un troll, sauvé un dragon clandestin et ignoré le conseil de Dumbledore, ce qui a conduit Harry à affronter Quirrell. Allons à la tour de divination. Tu as vu Potter en cours de potion ? Il a encore eu un zéro. Salut. Salut. Œuf de dragon. Que votre courage perdure. Continuez, maître Potter. Salut. Salut, Anna. Qu'est-ce que tu fais ? Je dois réfléchir. Me souvenir. Oh, j'aurais jamais fini mes révisions. On peut au moins t'aider dans une matière. On a notre première réunion de défense contre les forces du mal. Une réunion ? Mais Ombrage a interdit les clubs. Elle nous verra y aller. Je raterai mes buses. Je serai renvoyée. On sera tous renvoyés. Tout va bien. On va utiliser un passage secret pour se rendre à la réunion. Ah bon ? Il est où, ce passage ? On te le dira. Viens, Harry. Bon, on n'a plus qu'à trouver un passage secret vers le 7e étage où Anna ne viendra pas. Il y en aura bien quelque part dans le grand escalier. Allons voir. Excusez-moi. Savez-vous s'il existe un passage secret pour aller d'ici au 7e étage ? Bien sûr que je le sais. Je suis le gardien de ce passage. Super. Vous voulez bien nous laisser passer ? Merci de l'avoir conduit jusqu'ici. Le mot de passe est Chenapan Chantant. Tu n'as qu'à dire Chenapan Chantant au portrait de l'astronome du 7e étage. Prends ce passage et personne ne te verra te rendre à la réunion. Merci. Justin Finch-Fletchley a promis de m'aider pour mes sortilèges. Je vais lui parler de la réunion. Le mot de passe ? Chenapan Chantant. D'après le professeur McGonagall, ces premières années sont quelque part par ici. Tu vas bien ? Tu es Harry Potter ? C'est vrai que tu as affronté tu sais qui ? Et un serpent géant en deuxième année ! Et que t'as gagné le tournoi des trois sorciers ! Ouais. Waouh ! Et le professeur McGonagall a demandé à Harry de retrouver des morveux de première année qui croient naïvement pouvoir échapper à leur retenue. Si vous n'allez pas la voir, Harry a l'autorisation de vous donner en pâture au dragon qui vit dans les cuisines. Il n'y a pas vraiment de dragon dans les cuisines, hein ? Tu veux vérifier ? Alors en route ! Je ne crois pas qu'inventer des histoires pour terrifier les premières années soit digne d'un préfet. Oui, bon, il faut bien prendre le respect à ces demi-portions. Salut, Harry. On se voit toujours à la réunion ? On n'y est pas encore.
Cet affreux ombrage est à l'intérieur avec Trelawney. Elle a une dent contre le professeur Trelawney depuis cette stupide inspection. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Je suis ici depuis 16 ans. Poudlard est ma maison. Vous auriez dû prévoir que ça allait arriver. On dirait que votre cours de divination a été annulé. Pauvre professeur Trelawney, compte sur nous pour la réunion. On a un compte à régler avec Ombrage. Le mot de passe ? Chenapan chantant. Voilà Suzanne ! On devrait aller lui parler de la salle sur demande. Qu'est-ce qu'il fait avec Crabbe et Goyle ? Tu te prends pour une reine parce que ta tante est au ministère ? Mon père dit que ta tante est une fouineuse. Il faudrait lui donner une bonne leçon. Fichez-moi la paix! Harry! Hermione! Ron! Hé! Harry! Viens m'aider! Oh, regardez, ils viennent sauver leur copine. Allez, viens, Potter! Qu'est-ce que tu vas faire? Comment on va passer? Tu dois utiliser ta baguette. Occupons-nous d'eux. Il faut qu'on les éloigne de Suzanne pour qu'on puisse lui parler. Tu fais fixe. Géniaux. C'est bon, tu en aurais fait autant pour nous. J'aimerais être aussi forte que toi en duel. Alors tu devrais venir à notre réunion de l'AD. C'est au 7e, dans la salle sur demande. Super, merci. J'espère qu'ils vont arrêter Dumbledore. Ma mère adorait ça. Ombrage est la meilleure. Wingardium, Leviosa!
Wingardium Leviosa! Il y a de nouveaux objets dans notre salle secrète, Harry. Vous ne sauriez pas où sont les autres gargouilles parlantes ? Je n'ai plus vu de gargouille depuis que celle qui était là a disparu. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a un an, un garçon est arrivé ici avec un dragon à ses trousses. Le dragon a heurté mon ami et l'a fait tomber de son socle. Revenez me voir de temps en temps, d'accord ? L'endroit est idéal pour un pique-nique. Venez quand vous voulez. Ce n'était pas ta faute, Harry. Vous croyez qu'elles sont toutes cinglées ? Je n'en reviens pas que Potter soit encore dans le coin. Préparons ! Préparons ! Tu as entendu Nick quasi sans tête ? Je suis contente contre le baron sanglant. Nick est ridicule. Il n'a même pas réussi à perdre toute sa tête. N'oublie pas qu'on doit trouver des gargouilles parlantes pour le professeur. Incendio ! Bonjour. On cherche des gargouilles parlantes. Vous... vous parlez ? Oui. Super ! Content que ça vous fasse plaisir. Je peux vous poser une question ? Vous êtes satisfait de votre situation ? Non, pas du tout. J'aimerais être face au sud. Allons-y. Je devrais en parler à quelqu'un. On pourrait peut-être le déplacer. Ouais, et le mettre dans le bureau d'ombrage. Ça lui ferait du bien. Mais ça serait pas gentil pour la gargouille. Et deux, trois, plus que deux. Je me demande où elles sont. Entrez tout droit. Après mes études, j'entrerai au ministère. Mon père a beaucoup de relations. Et tant pis pour ceux qui n'en ont pas. Incendium ! Ça sent le sang de bourbe, hein ? Ouais, ouais. Professeur Potter est un crétin.
Tu es sûr que... Qu'est-ce qu'il fait, Colin? Action! Tu as vu Potter en cours de potion. Il a encore eu un... Salut, Colin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai voulu prendre une photo d'élèves de Serpentard en train d'embêter un première année, mais ils ont lancé mon appareil sur le toit. Ne t'en fais pas. Harry va te le récupérer. C'est vrai? Merci, Harry, c'est génial. Il est là-haut, comment tu vas t'y prendre? Ça va être super, j'en suis sûr. Qui a bien pu planter tout ça? Un peu d'aide, Harry? Incendio! Incendio! Besoin d'aide? C'est facile! Je connais celui-là! C'est pas une plante qui va arrêter Harry! Wingardium Leviosa! On forme une super équipe! Continue, Harry. T'es vraiment génial. Si j'avais mon appareil. Préparons. Super. Tu y es presque, Harry. Bravo, Harry! Essaie de lancer à Wingardium les vieux sapes pour nous le faire passer! Je l'ai! Merci, t'es le meilleur, Harry! Fais attention, descendant, Harry! Harry, merci, t'es formidable! J'aimerais être aussi fort que toi! Quand je dirai ça à Dennis, Harry Potter m'a aidé à récupérer mon appareil. Il sera fou de jalousie! Harry, tu pourrais lui raconter comment t'as récupéré mon appareil? Amène Dennis à la réunion de l'AD! Et peut-être qu'Harry lui dira! Bien sûr! Je ne raterai ces réunions pour rien au monde! Harry, tu seras un super prof, j'en suis sûr! Viens à la salle sur demande, au 7e étage! C'est d'accord, j'y serai. Je peux apporter mon appareil? Ah non, bien sûr, pas de photo lors d'une réunion secrète. Je ne le prendrai pas, d'accord. C'est bon, merci encore, Harry. À plus tard, salut. Je crois qu'il a mangé trop de choco-grenouille. Et son frère était... Oui, bon, mais au moins, je crois, Harry. Il nous faut un maximum de gens dans notre camp.
N'oublie pas qu'on doit trouver des gargouilles parlantes pour le professeur Beans. Salut! Je garde fidèlement ce passage depuis des années, vous savez. Personne n'est passé par là. Personne ne connaît le mot de passe. Si personne ne connaît le mot de passe, personne ne peut l'utiliser. Donc vous ne faites pas vraiment votre boulot. Mais si vous me donnez ce mot de passe... Oui, bon, je dois dire que ce sont les paroles les plus sensées que j'ai entendues depuis longtemps. Ah, mais je ne peux rien dire devant tous ces gens. Débarrassez-vous d'eux. Pourquoi y a-t-il autant de sang de bourbe à Poudlard? Ils auraient dû écouter Salazar Serpentard et les bannir à tout jamais. T'es complètement cinglé. Expelliarmus! C'est un fou furieux. Wingardium Leviosa! Voilà, il ne reste personne. Donnez-moi le mot de passe avant qu'il ne revienne. Très bien. C'est... Volo... Futurus... Unus. Volo quoi? Je veux être seul. Reduco! Fais attention avec ces livres, Harry. Reforo! Va falloir qu'on soit très attentif. Il y a des tas de gargouilles à Poudlard. On regarde les pifs, ils ont des choses sur les gens. Tu peux pas trouver quelqu'un d'autre? Une belle journée pour s'instruire. Tu es sûr que tu cherches les gargouilles? Quand je pense que les aspics sont encore plus durs que les muses. Une gargouille parlante? Toc, toc! Qui est là? Cui, cui! Cui, cui? Désolé, je savais pas que vous étiez un oiseau! Toutes les gargouilles sont cinglées. Non, non, revenez! J'en ai plein d'autres! Combien il en manque? Super, il ne nous en manque plus qu'une. J'ai des choses à te montrer dans notre salle secrète. Tu sais, ce n'est pas la peine de venir avec les autres si tu n'en as pas envie. N'oublie pas qu'on doit trouver des gargouilles parlantes pour le professeur Beans. Wingardium Leviosa!
Je ne sais pas où est le prochain cours. Le château est si grand. Excusez-moi. Vous parlez ? Non ! Ben la preuve ! Non, c'est faux ! Qui parle alors ? C'est elle ! Celle-là, là-bas ! Avec les cheveux emmêlés ! Ils ne sont pas emmêlés ! Ron, ils sont emmêlés ? Non, enfin... juste un peu. Il y a eu du vent et je n'ai pas eu le temps de les coiffer. Ça nous fait 5 gargouilles, non ? On peut retourner voir Dean et lui dire... Excusez-moi, je vous ai pas trouvé. Vous nous avez trouvés. Bon, si vous voulez nous voir, alors entrez. N'oubliez pas le mot de passe. 2 têtes valent mieux qu'une. 3 têtes. Pourquoi est-ce que tu m'oublies toujours ? C'est Anthony, non ? Allons lui parler. Salut Harry, il paraît que t'as trouvé un endroit pour les réunions de l'AD. Quoi ? C'est censé être un secret ! Du calme, c'est Neville qui l'a dit à Ernie et Ernie me l'a répété. On se retrouve là-bas alors. Comment trouve-t-on la salle sur demande ? Tu vas au 7e étage et tu penses très fort que tu veux trouver cette salle sur demande. La porte apparaîtra. D'accord. Je sais pas si Terry et Michael le savent, il faudrait leur dire. À plus tard. Fichus espions. Ah, ils sont partout. Ça va, Harry? Ça va, Harry? Ça va? Salut, Harry. Hey, Dean. On a trouvé toutes les gargouilles. Cool. Je pourrais les noter plus tard au dortoir. Demandez à Hermione si elle veut bien. D'accord. Après la réunion de l'AD. Cool. À plus tard. Protégo ! Potter, Weasley, Miss Granger, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dragon ? Évitez de raconter des choses pareilles. Certains seraient capables de vous croire et d'aller vérifier par eux-mêmes. Néanmoins, 10 points à Gryffondor pour votre ingéniosité. Wingardium Leviosa! Quel que soit le problème, il devra attendre, Monsieur Potter, j'ai des choses à faire. Ah ! Ah !